chantons amour et liberté. Contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir est levé, l'étendard de justice et de paix. Rassemblons nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur. Que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage. La flamme qui nous éclaire traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière. Merci, Grimmel White. Devant cette statue, c'est le propulseur de Jeanne d'Arc qui a botté les Anglais. Nous, on va essayer d'amener Kika et des fils pour botter les injustices qui sont imposées par notre gouvernement actuel. C'est un combat qui va être dur parce que ça va être physique. Mais on a une telle rage au ventre qu'on ira au bout. On ne lâchera pas. On pourrait lire ça. On pourrait lire ça. Alors, tous ensemble, on pourrait lire ça, si vous voulez dire. Oui, alors attends. Ce monument a été élevé par le gouvernement de la République et le département de la Lozère à la mémoire de Bertrand Duguesclin, précurseur de Jeanne d'Arc dans l'œuvre du relèvement national. Voilà, on est parti pour une grande aventure humaine également, on va rencontrer plein de gens. Merci mon gars. Et qui vont nous amener leur doléance, on va faire signer des pétitions, ça va être long, c'est 23 jours. On a du monde qui nous attend. Et tous ceux qui sont avec nous, qui ne peuvent pas venir, ça va être une jambe. Comme j'ai toujours dit, je le répète, on est un grand puzzle. Et dans un puzzle, si vous en avez une seule pièce, le puzzle est foutu. Donc ça veut dire qu'on n'est pas plus important que ceux qui sont derrière, qui nous supportent. On a tous la même importance. Nous, on a décidé de marcher. Mais sans les autres, on ne pourrait rien faire. Donc on va reconstituer ce puzzle, on va le finir à Paris. La dernière pièce du puzzle sera mise à Paris et le puzzle sera complet. Mais personne n'est plus important que personne. Tout le monde est aussi important que tout le monde. Nous, on va marcher. Moi, j'avais besoin d'un régime, c'est sympa. On a 800 km à faire. On va rencontrer plein de gens qui vont se venir se greffer avec nous. On va avoir plein de discussions. Mais surtout, c'est un mouvement qui est pacifiste. Qui est non violent, parce que c'est en train de virer à la violence de par le mutisme de ce gouvernement, de ce président, qui est très haut perché et qui n'a pas vu qu'en bas, ça prend feu. Donc nous, on va essayer de prendre le contre-pied de la violence. On a décidé de marcher à 3, 4, 5. Il y a des gens qui vont se greffer. Et puis, on espère que ça va porter. On espère surtout que beaucoup de gens vont nous rejoindre pour arriver très nombreux pour le 25 décembre à Paris. Ça fera un joli cadeau à tout le monde. Nous, on va se priver de beaucoup de choses. J'espère que les gens vont comprendre ça et qu'ils vont être solidaires, qu'ils vont nous aider. Voilà, on va donc prendre la route dans quelques minutes. D'accord, hein ? Merci. Les amis, ceux qui partent, gardez la maison avant. Merci. Gardez la maison. Il n'y a pas de problème. Je compte sur toi, Manu. Vous gardez la maison. Allez, c'est parti les marcheurs. Sébastien, ça veut dire voilà, on est en révolte. On est en révolte, c'est une véritable révolte qui se prépare dans ce pays. Il y a une révolte qui est pacifiste, c'est nous, on veut de la révolte pacifiste, mais il y a aussi une révolte qui nous déplaît, c'est une révolte dans la violence. On veut pas, moi j'ai pas envie d'une pays vivre dans la violence. Non, et le gouvernement a un tel mutisme, un tel mépris envers les citoyens, mais un mépris pas possible. Il va obliger les gens à entrer dans la violence. Ben nous, on va lui faire voir que non. On va lui faire voir qu'on va marcher 800 morts. On va être accompagné, on va lui amener des lettres. Il va falloir qu'il change, il va falloir qu'il descende en bas et qu'il regarde ce qui se passe et qu'il comprenne. Parce que si notre mouvement ne marche pas, si les mouvements pacifistes ne marchent pas, il va se passer quoi? La guerre civile dans un pays qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. C'est pas possible. C'est pas possible.
Vous avez des bonnes chaussures? D'accord.